Please, could I ask you to take your seats? Mr. Namba Yao. Monsieur Namba Yao, président du conseil d'administration. Monsieur Jean-Paul Forceville, président du conseil d'exploitation postale. Monsieur le directeur général Metoki, monsieur le vice-directeur général Monsieur Oswald, Monsieur Hussein, Monsieur Cliva, Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'appelle David Dodge. Je suis le directeur de la communication ici à l'UPU. Cette journée aujourd'hui est très spéciale. Nous sommes là pour assister au transfert de pouvoir, à la passation de pouvoir entre M. Hussein et M. Metoki, en la présence de M. Hussein et M. Pascal Cliva, qui ont été à la tête de cette union depuis 9 ans en tant que directeur général et vice-directeur général. Avec M. Isaac Namba Yao, ils vont accueillir le nouveau directeur général de l'UPU, M. Masahiko Metoki, et le vice-directeur général, M. Oswald. Pour commencer la cérémonie officielle, je voudrais maintenant inviter le président du conseil d'administration à la tribune. Vous avez la parole, monsieur. Mesdames et messieurs, chacun de vous tous, en vos rangs, grades et qualités et tout protocole observé, c'est avec une grande émotion que je me retrouve ici parmi vous en vue de présider cette cérémonie de passation de charge entre, d'une part, le directeur général sortant du Bureau international et le nouveau directeur général élu, et d'autre part, entre le vice-directeur général sortant et le nouveau vice-directeur général, nouvellement élu lors du 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est tenu à Abidjan en République de Côte d'Ivoire. D'ores et déjà, je tiens à remercier chaleureusement chacun de vous tous pour vos mots de félicitations suite à ma désignation au nom de la République de Côte d'Ivoire qui assure la présidence du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Je sais qu'ils ont été dits sous l'influence de l'agréable amitié que j'entretiens avec vous tous depuis plus d'une décennie désormais. Ceci dit, mes premiers mots vont à l'endroit du nouveau directeur général de l'UPU. Mon cher Masahiko Metoki, je voudrais encore une fois vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de notre institution le 25 août 2021 dernier à Abidjan. En effet, dès le premier tour du scrutin tenu au 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, Côte d'Ivoire, vous avez pu recueillir le maximum de voix exprimées. Monsieur le directeur général Masahiko Metoki, votre longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal, a été certainement pour vous un atout. Vous connaissez bien l'UPU puisque vous avez représenté votre pays, le Japon, en tant que président du Conseil d'exploitation postale depuis 2012. Vous avez également présidé la commission du 22e congrès en charge des services financiers postaux et le groupe services financiers postaux du CEP. Et vous avez été à la tête de la toute première révision de la Convention postale universelle, permettant ainsi l'expédition par la poste d'équipements munis de piles ou batteries. Dès l'annonce de votre élection, j'ai noté avec tous les pays membres
de notre organisation votre engagement à poursuivre le chantier de réforme de l'industrie postale et de faire face aux défis, aux différentes problématiques avec l'implication de tous les pays membres sans exclusive. Pour cela, vous ambitionnez, entre autres, de créer une équipe engagée pour essayer de régler les problèmes des pays de l'Union et d'apporter des aides qui répondent aux besoins adaptés pour chaque pays. Je vous y encourage vivement et sais pouvoir compter sur l'engagement de tous pour hisser notre organisation à la plus haute place des organisations des Nations Unies qui comptent. Monsieur Bichat Hussein, vous passez le témoin aujourd'hui dans cette belle ambiance à votre successeur. Je voudrais vous adresser tous mes remerciements pour votre grande contribution lors de votre mandature pendant près d'une décennie pour le rayonnement de notre institution. Sous votre leadership, bon nombre de réformes ont été engagées et appliquées, notamment celles allant dans le sens de la promotion de l'égalité des genres au niveau des membres du Conseil, mais aussi de l'égalité des chances vis-à-vis des États dits en voie de développement, qui auparavant n'avaient pas une réelle force de participation aux prises de décision. Je reste convaincu que même après votre départ, la poste que vous aimez tant, vous resterez engagé auprès des acteurs du secteur en apportant votre expertise à la nouvelle poste en renaissance. Quant au nouveau vice-directeur général de l'UPU, M. Marianne Oswald, j'ai pu noter de vous que vous êtes un grand supporter des infrastructures publiques parce qu'elles peuvent être gérées de manière plus efficace. Vous êtes un cadre expérimenté ayant exercé des responsabilités importantes en rapport avec les opérations, la stratégie et la vente dans le secteur postal international tout au long de vos 24 années d'expérience professionnelle. Vous saurez transmettre à notre union tout ce que vous avez de meilleur sous la direction de M. Masahiko Metoki. Je ne saurais à ce stade de mes propos ne pas dire un mot à l'endroit de mon cher ami Pascal Kliwa. Monsieur le vice-directeur général, ainsi que je le disais dans nos échanges, même s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. La vraie défaite est celle qui arrive après un non-combat. Vous avez combattu le noble combat et je reste convaincu que vous gagnerez à la prochaine étape d'une plus belle réussite. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur après votre départ de votre poste de vice-directeur général. Je sais pouvoir compter sur vous tous en ma qualité de président du conseil d'administration pour le rayonnement de notre union, tout en vous renouvelant à tous le témoignage de mon estime et de mes souhaits de réussite. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Namba Yao. Je voudrais maintenant donner la parole à l'ancien vice-directeur général de l'UPU, Monsieur Pascal Kliwa, pour prononcer son discours officiel de passation de pouvoir. Monsieur le Président du Conseil d'administration, cher ami. Monsieur le Président du Conseil d'exploitation postale, cher ami aussi. Monsieur le Directeur général, Monsieur Metoki. Monsieur le Vice-Directeur général, Oswald. Monsieur l'ancien Directeur général, Ambassadeur Hussein. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers hôtes, bonne et heureuse année à vous tous. Je salue cordialement et spécialement une dernière fois les interprètes qui vont me permettre de m'exprimer dans la langue officielle de l'Union postale universelle, le français, langue que j'ai toujours défendue tant elle est porteuse de la diversité et de la richesse de nos origines géographiques et culturelles. Je suis heureux
que cette démarche ait pu trouver sa matérialisation dans la signature d'un accord avec l'Organisation internationale de la francophonie lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en novembre 2016 à Madagascar. Il me revient donc le plaisir d'ouvrir cette partie officielle de discours. L'histoire se poursuit avec, évidemment, d'autres protagonistes. Il est désormais temps de quitter cette très, très belle organisation, l'Union postale universelle. En 16 ans de diplomatie postale et onusienne, en plus de 25 ans de carrière postale, ce fut un honneur et un véritable plaisir de m'engager pour l'évolution de ce vénérable service public devenu un intermédiaire de nos modes de consommation modernes. J'ai été le 13e et le plus jeune vice-directeur général de cette organisation et encore aujourd'hui, c'est pour moi une très belle étape de vie. De la loi sur la poste en passant par la première directive européenne et les traités de l'Union postale universelle, le juriste que je suis a été comblé dans ces chantiers. De la réforme des finances de l'UPU, notamment sa certification aux normes IPSAS, aux 4 plans de stratégie que j'ai conduits, j'ai pu mettre d'autres compétences au service de l'Union postale universelle. Les réformes, un phénomène qui aura toujours caractérisé ici et ailleurs, en présidence de banque régionale, en administrateur de société, je m'inscris et je m'inscrirai toujours et encore dans l'inaltérable combat contre le statu quo. Avec mes responsabilités à la tête de la stratégie, puis en vice-directeur général, j'ai évidemment mis un accent particulier sur le développement des visions à plus long terme, car elles sont les seules garantes de pérennité. Nous le constatons désormais au quotidien, plus rien n'est normal. Il faut faire avec et surtout se réinventer, car même en l'absence de boussole, le monde n'attend plus. On le constate alors que l'UPU discute parfois longtemps sur des sujets subalternes ou encore de la présidence de groupe de travail. Les nouveaux protagonistes postaux sont eux dans l'espace. Amazon et les autres géants de la logistique savent combien réaliser et tirer profit des immobilismes et des lenteurs d'acteurs pourtant très établis. Si l'on considère les chiffres d'affaires qu'ils génèrent aujourd'hui, le temps n'est plus aux atermoiements. Gageons que l'UPU pourra mettre le curseur au bon endroit pour que son rôle et sa raison d'être se vérifie avec pertinence dans les prochaines années. Je le souhaite vraiment de tout cœur. La passation de pouvoir est un moment particulier et évidemment privilégié qui nous invite à penser au pouvoir. Pour moi, c'est celui que je n'ai jamais exercé, celui de directeur général. Mais c'est évidemment sous une autre forme, celle de la proximité et du conseil, que s'exerce le pouvoir du vice-directeur général, le pouvoir de convaincre le décideur. C'est forcément plus subtil dans l'exercice car c'est la seule force de conviction qui peut aboutir à faire changer les choses. Ce pouvoir-là, c'est celui qui appartient désormais à mon ami Marianne Oswald. C'est celui qui impose une force de conviction et une capacité d'intégrer. À l'UPU, c'est bien connu, le pouvoir est dans les mains du directeur général. Et c'est désormais à M. Metoki qu'incombe cette importante responsabilité. Félicitations encore. Exercice périlleux, tant il entraîne la dualité entre l'adhésion et la confrontation au moment de trancher. Je ne doute cependant pas dans vos capacités à anticiper, à déjouer les pièges qui ne manqueront pas, foi d'expérience. Placer le flambeau, c'est également, en cette nouvelle année olympique, vous remettre des dossiers et des chantiers qui s'ouvrent, comme celui du bâtiment qui abrite désormais 4 représentations diplomatiques et le bureau suisse de l'UNHCR, ce qui renforce également au passage la vocation internationale et multilatérale
de cette belle ville de Berne, les problématiques d'aujourd'hui nécessitant des réponses coordonnées et plurielles, permettez-moi de saluer les autorités fédérales, cantonales, ainsi que la ville de Berne aujourd'hui. Durant ces derniers 9 ans, les principaux risques identifiés ont tous été mis sous contrôle. Le principal, à mes yeux, étant lié au financement de l'organisation, sur son long terme et surtout sur la pérennité de son modèle économique. Au cours de ma fonction précédente de directeur des finances et de la stratégie, entre 2005 et 2013, l'UPU a pris la décision courageuse de changer les normes comptables et ainsi de nous placer en pleine responsabilité. Sous la houlette d'Édouard Dayan, que je salue affectueusement ce matin, nous avons pris l'option de rompre avec une philosophie qui laissait aux dirigeants futurs le soin de régler les engagements du passé. Comment en aurait-il peut-être autrement, tant nos convictions et nos conceptions des responsabilités étaient identiques et elles le sont restées. C'est avec l'ambassadeur Hussein que nous nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec des états financiers qui présentaient des excédents de passifs et des obligations à long terme qui ont très rapidement pris l'ascenseur. La cause principale, une volonté marquée d'obliger les organisations internationales à vivre sous le régime dit de la croissance nominale zéro. Heureusement, d'autres sources et surtout d'autres mécanismes de financement ont pu être envisagés. Durant les dernières années, nous avons pu amener des recettes supplémentaires pour près de 50 millions, notamment en mettant au centre de notre postulat que le principe du bien-être économique qui peut être réalisé par l'UPU doit générer un bien-être économique à l'Union. Nous l'avons fait en négociant, en renégociant un assainissement de la caisse de prévoyance, décision entérinée unanimement lors du dernier congrès. J'invite donc celles et ceux qui seront face à ces questions désormais à s'en inspirer. Ce n'est que justice économique. Ainsi, si l'on en croit les derniers constats d'audit intermédiaire, et je salue le contrôle fédéral des finances, il semble bien que le risque lié à la continuité d'exploitation s'éloigne un tout petit peu, ce qui ne nous permet pas d'être à l'abri pour autant. Ce qu'il faut, ce n'est pas une simple réforme du système de contribution, mais bien repenser totalement le système de financement de l'Union pour qu'il intègre une plus grande proportion de financement par les utilisateurs, dès lors que nos produits et services contribuent largement à la réalisation de valeurs ajoutées. Cela permettra évidemment une meilleure répartition des moyens dans un monde totalement déséquilibré. Il suffit de penser à ce qui se passe sur le front de cette pandémie pour s'en rendre compte. La solidarité, mesdames, messieurs, doit demeurer une constante. Malgré les circonstances et les aléas financiers qui nous ont conduits à certaines austérités, notre action en la matière de solidarité et de coopération aura notamment permis, outre un engagement, un rééquilibrage institutionnel en faveur des pays en développement et des pays insulaires qui sont aujourd'hui revenus en acteurs des débats. Mesdames, messieurs, à 16 ans, je vaccinais des enfants au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Je suis fier d'avoir, à 53 ans, pu réaliser certaines ambitions que j'ai toujours eues pour nos amis et nos frères défavorisés, et qui plus est dans le système des Nations Unies. Ça fait partie de mes fiertés et de mes engagements, car ça, mesdames, messieurs, c'est du concret. Durant nos 2 mandats, nos feuilles de route ont été claires, et dès lors que les risques étaient définis, il a fallu trouver les espaces pour concrétiser. La mise en œuvre des stratégies et des plans d'affaires, 2 outils directeurs, ont été une gageure, mais avec des indicateurs précis et une équipe dirigeante mobilisée, malgré les vents contraires, nous y sommes parvenus. Merci donc aux directeurs qui ont conduit le mouvement que nous avions induit et qui ont fait preuve de talent et d'un esprit d'équipe remarquable en toutes circonstances. Et des circonstances et de l'inattendu, il y a eu. Nous devions imaginer une dématérialisation de nos activités. La digitalisation de l'Union postale universelle est totalement réalisée.
Nous sommes parmi les seules organisations du système des Nations Unies à avoir tenu le pari de réunir toutes les instances jusqu'au Congrès en temps de pandémie, d'autant que l'ensemble des décisions ont pu être prises jusqu'à l'élection des dirigeants et des organes. Merci à la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme c'est le cas depuis mars 2020, le personnel établi produit et service depuis leur domicile. Je les salue donc d'où ils m'écoutent. Tout est répliqué, sécurisé, fois d'audit et de certification. Ce qui invitera au passage les nouveaux dirigeants à réfléchir à la mise en place d'une politique en la matière. Au moment de passer le témoin, je pense à lui, à notre personnel, sans exception. Ces femmes et ces hommes qui ont été les artisans du possible, il faut leur rendre cet hommage qui leur revient pleinement. Nous avons pu compter sur les connaissances, compétences et les expertises qui sont nécessaires à l'obtention de tous les résultats qui ont été les nôtres durant ces derniers 9 ans. Ce personnel que nous avons largement diversifié, que ce soit sur le plan géographique, mais aussi lorsqu'on songe au genre. Le personnel, c'est également le quotidien, c'est la vie. Et permettez-moi de penser à nos collègues qui nous ont quittés encore il y a quelques jours durant nos mandats. Ils resteront jamais et à jamais gravés dans nos mémoires. 9 années de turbulences, de résistance au changement, de crises successives qui nous ont obligés à proposer la réunion de 4 congrès, dont 2 extraordinaires. Tous ces moments n'ont pas eu raison de notre détermination. Au contraire, ils nous ont rendus plus solides. L'Union a été mise à l'épreuve, y compris celle de l'implosion. Mais elle a su trouver ses solutions. C'est le propre de notre secteur. Les postiers sont des gens à part dans le monde, qui n'est pas, sans nous rappeler, celui de la famille. Ce monde se caractérise par des solidarités et une envie surtout de trouver les voies optimales. Alors puisque je crois aux valeurs de la famille, c'est vers la mienne que je me retourne, celle qui est et reste ma seule et unique motivation, à mon épouse et à mon fils ici présent. Je veux leur dire que le chemin n'est évidemment pas terminé, que le combat continue car d'autres réalisations nous attendent. À vous, Monsieur Metoki, à vous, Monsieur Oswald, à toutes celles et ceux, ici et ailleurs, devant vos écrans, je vous souhaite une année 2022 riche en découvertes et évidemment pleine de satisfaction, santé et accomplissement. Je vous remercie de votre attention. So I'll just bring him and then we'll do the photo. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Clivant. J'invite à maintenant le nouveau vice-directeur général, Monsieur Marianne Oswald, à prononcer son discours, mais auparavant, nous pourrions peut-être prendre une photo avec l'ancien vice-directeur général également. Oui, ce sera un plaisir. Thank you. Merci. Monsieur Masahiko Metoki, directeur général de l'UPU. Metoki-san, cher Isaac Namba Yao, président du conseil d'administration, Monsieur Hussein, Monsieur Cliva, Excellences, Mesdames, Messieurs. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui alors que je prends mes fonctions en tant que vice-directeur général de l'Union postale universelle. Je félicite chaleureusement M. Hussein de son leadership
de cette organisation, ainsi que M. Cliva, mon prédécesseur. Merci, M. l'ambassadeur Hussein. Merci, Pascal. Je dois reconnaître que, alors que je suis là devant vous aujourd'hui, j'ai un sentiment de respect profond, mais également un sentiment d'énorme responsabilité. Lorsque je présentais ma vision en tant que candidat de la République de Slovénie, j'avais toujours insisté non seulement sur la responsabilisation, mais également sur la transparence et sur l'éthique professionnelle. Je crois en l'importance de ces principes qui sont le moteur de tout secteur performant. Aujourd'hui, la première chose que je vais faire dans la réalisation de ces objectifs, c'est de prêter serment à l'UPU. Je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l'Union postale universelle, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure de l'Union à l'Union en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs. Je fais aussi la déclaration et la promesse solennelle de respecter les obligations qui m'incombent en vertu du statut et du règlement du personnel. Le rôle des opérateurs et des services postaux dans la société évolue. Le monde développé a eu la chance de traverser cette évolution, la libéralisation, de passer des lettres traditionnelles pour devenir des entreprises distribuant des colis et s'occupant de la logistique et devenir des entreprises également des TIC. Les pays moins développés n'ont pas eu cette chance. Néanmoins, ce que tous les pays ont en commun, c'est le statut des services postaux et de la poste en tant qu'institution dans la société qui dépend très largement du propriétaire, c'est-à-dire essentiellement de l'État. Pendant mon mandat, je vais donc encourager les propriétaires responsables à définir le rôle de la poste dans leur environnement et de soutenir son développement. L'Union postale universelle va donc guider, coordonner et aider les membres à renforcer la qualité et l'importance des services postaux. Notre tâche, c'est de connecter nos clients privés ou entreprises. N'oublions pas que notre infrastructure est la meilleure au monde. Excellence. Les services postaux font partie du marché des communications, où la poste aux lettres semble perdre de son importance. Les emails dominent la communication moderne, si bien que les lettres risquent de devenir bientôt un outil de communication de moindre importance. Alors que les nouvelles technologies remplacent le courrier traditionnel, elles génèrent de nouveaux volumes de paquets par le commerce électronique qui force les opérateurs postaux nationaux à se transformer, à transformer leur modèle d'affaires, qui utilise non seulement leurs propres ressources économiques, mais qui essaie également de réduire tout impact social ou environnemental négatif dans leur pays et dans le monde entier. La solidarité a été un facteur de connexion important de notre réseau dans le passé. Quelle est l'essence de la solidarité? Que ceux qui ont plus donnent à ceux qui ont moins. C'est très simple. Sans cela, ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas progresser. Et la fracture entre les pays développés et les pays en développement ne fait qu'augmenter. Par conséquent, notre mission doit être de trouver un modèle de solidarité qui réduira les différences entre nous. Chaque organisation intergouvernementale, tôt ou tard, va devoir faire face au fait que le monde autour de nous évolue plus rapidement qu'elle ne le souhaite. Et cela est plus particulièrement vrai pour l'Union postale universelle. Nous le savons tous. Nous savons qu'il va falloir qu'on change et qu'on s'adapte si on veut survivre et réussir dans une société numérique qui n'est pas simplement en train d'arriver, mais qui est déjà là. Mesdames, Messieurs, je suis rentré pour la première fois dans ce bâtiment en 1997, il y a exactement 25 ans. Je me souviens à quel point j'étais impressionné par le bâtiment. Il avait l'air tellement majestueux.
et j'ai ressenti beaucoup de respect, et c'est un sentiment qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et par conséquent, je promets aux employés de l'UPU, aux présidents du CEP et du CA, aux commissions et aux équipes spéciales, aux unions restreintes et surtout aux États membres, je vous promets de travailler avec vous tous dans l'intérêt bien compris de l'Union postale universelle. Merci à ma femme, à mon ancien chef Thomas. Merci à tous. Bonne année et merci. Thank you. Merci beaucoup, monsieur le vice-directeur général Oswald. J'aimerais maintenant demander à notre directeur général sortant, monsieur Hussein, à bien vouloir venir présenter ses remarques. Avant de prendre la parole, je vous demande de bien vouloir procéder à la transmission de la clé entre un directeur général et l'autre. Vous avez la parole. Your Excellency. Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'Union Postale Universelle, Monsieur Metoki, Monsieur le Vice-Directeur Général du Bureau International de l'Union Postale Universelle, Monsieur Marianne Oswald, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission présents ici aujourd'hui, Son Excellence le Président du Conseil d'administration, Monsieur Isaac Nyambayao, Monsieur Forceville, Président du CEP, Mesdames et Messieurs les représentants du Bureau international, bonjour à tous. Je souhaite exprimer mes profonds remerciements à vous tous. Vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de pouvoir. La passation de pouvoir est une longue tradition de l'UPU qui signifie la transition et le changement formel à la direction de cette union. Encore une fois, je souhaite féliciter mon ami Monsieur Masahiko Metoki et Monsieur Marianne Oswald pour leur élection à la direction de l'UPU. J'aimerais également demander au personnel du Bureau international et aux représentants des membres de les soutenir dans la tâche monumentale de transformation de cette organisation pour faire face aux demandes et aux dynamiques changeantes du marché postal. Pascal et moi-même avons joué notre rôle et il incombe maintenant à la nouvelle équipe d'apporter de nouvelles idées, une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme pour poursuivre ce travail. À mon successeur, comme vous le réaliserez bientôt, eh bien je dis que l'UPU de l'intérieur est bien différent de l'UPU de l'extérieur. La bonne nouvelle est que vous disposez d'un personnel très compétent, très qualifié, qui facilitera votre tâche. Merci de bien vouloir les soutenir pour qu'ils puissent continuer à apporter son aide. Vous réaliserez également que l'Union doit continuer à se réformer dans de nombreux domaines afin de faire face aux dynamiques des activités mondiales. Cela n'est pas toujours évident lorsqu'on le voit de l'extérieur. Aux pays membres, au secrétariat du Bureau international, je vous demande d'aider ces deux messieurs à réaliser les promesses qui figuraient dans leur manifeste de campagne. Aujourd'hui n'est pas le jour pour moi pour faire de longs discours concernant nos réalisations, pour mettre
en évidence nos défis et nos réussites. Tout cela est déjà écrit dans les livres d'histoire de l'UPU. Cela est gravé dans le marbre. Beaucoup de points ont déjà été mentionnés par mon collègue, M. Pascal. Il me suffit de dire que ce parcours n'a pas été aisé lorsque nous avons pris nos fonctions en 2013. Et nous avons vécu 9 années de défis remarquables et d'expériences remarquables que nous garderons dans nos cœurs. Dans cette même salle, de nombreux débats se sont tenus. Nous avons entendu de grandes idées être exprimées ici dans cette salle. Je suis très fière de dire que moi-même et ma direction et mes collègues avons pu réaliser à 100% tous les KPI qui avaient été fixés pour nous par les pays membres pendant nos 2 mandats. Et cela n'est pas une réalisation de moindre ampleur. Mesdames et messieurs, pendant cette période entre 2013 jusqu'à maintenant, nous avons organisé 2 congrès réussis. En 2016, nous avons tenu un congrès à Istanbul dans des circonstances très difficiles. Le pays vivait des difficultés politiques à l'époque. Mais nous avons ensemble pu réaliser un congrès remarquable. Et puis, bien sûr, 2018 est venu avec son 2e congrès extraordinaire. Rapidement, cette union a rencontré des difficultés très importantes lorsque l'un de nos pays membres, les États-Unis d'Amérique, a menacé de quitter l'Union à cause d'un problème qui existait depuis des générations concernant les rémunérations, les compensations. Nous avons été contraints d'organiser un autre congrès extraordinaire en 2019 à Genève. Et encore une fois, lorsque l'Union est arrivée proche de l'écroulement, eh bien, le secrétariat du Bureau international s'est rassemblé et a permis de livrer un consensus des plus remarquables parmi ceux que j'ai vus lors de ma carrière diplomatique. C'était une victoire à Genève en 2019. Cela a permis de conserver l'Union et de garder les États-Unis d'Amérique à l'intérieur de l'Union avec une somme très importante de 40 millions qui a déjà été mentionnée par mon collègue, qui a permis de régler nos problèmes de caisse de pension et qui permet de changer le système de compensation que nous avons aujourd'hui. Excellence. Il ne m'est pas possible de dénombrer les succès que nous avons atteints ensemble. Mais j'aimerais dire que le congrès de 2020 a été reporté à cause de la pandémie que nous avons vécue. Et c'est à ce moment-là que nous avons été mis à l'épreuve. Le congrès de cette union n'a pas pu se tenir en 2020 tel que prévu. Cela n'était pas dû au secrétariat ou aux pays membres, mais nous avons trouvé une solution. Et en 2021, la Côte d'Ivoire a organisé pour nous l'un des congrès les plus remarquables de l'histoire de l'UPU. Dans une situation de pandémie très grave, le premier congrès hybride s'est tenu pour la première fois dans le système commun des Nations Unies. Et je souhaite remercier vivement le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous demande de transmettre nos remerciements au président et au gouvernement de votre pays pour ce congrès qui nous a permis d'élire nos nouveaux dirigeants. Excellence. Avant de conclure ces remarques, j'aimerais mentionner mon pays, le Kenya. L'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur, veuillez
transmettre mes plus profonds remerciements au président du peuple du Kenya qui m'ont soutenu et qui m'ont donné des ailes pour voler. Vous m'avez donné la possibilité de diriger cette organisation au cours de ces deux mandats. Et je vous en suis très reconnaissant. Merci de transmettre ce message au peuple et au gouvernement du Kenya. Bien sûr, j'ai déjà remercié la Côte d'Ivoire. Monsieur Isaac, je vous remercie d'avoir organisé cet excellent congrès pour nous. Je souhaite remercier le secrétariat du Bureau international, tous mes collègues, individuellement et collectivement. Vous resterez toujours dans mon cœur avec des souvenirs qui me seront très chers. 4 congrès et un cycle, mais ce n'est pas un exercice facile dans des conditions très difficiles, mais nous avons toujours été solidaires et nous avons réalisé ce qui nous avait été demandé. Cela a pris du temps. Je sais que beaucoup ont renoncé à leurs vacances et je souhaite vous transmettre ma reconnaissance éternelle pour les réalisations que nous avons accomplies ensemble et pour votre soutien. Je souhaite remercier mon collègue Monsieur Pascal de son courage remarquable et de son rôle de chef de file. Monsieur Pascal, nous sommes venus et nous avons accompli des réalisations. Nous savions que cela ne serait pas aisé, mais nous avons réalisé toutes les promesses que nous avions prises et nous avons réalisé les objectifs que nous nous étions fixés. Vous aurez toujours mon plein respect et je me souviendrai toujours du temps que nous avons passé ensemble à planifier, à exécuter, à développer des stratégies, à essayer de régler les problèmes de cette union. Monsieur Pascal a de très nombreux talents, je peux vous le dire. La meilleure fondue que j'ai jamais mangée a été préparée par Pascal. Nous allions à son chalet, à la montagne, lorsque nous devions procéder à des réflexions difficiles. Je peux vous dire qu'après un bon repas, eh bien, les bonnes idées abondent. Monsieur Pascal, vous avez de nombreux talents, vous êtes une personne merveilleuse. Je me souviendrai toujours de votre loyauté, de votre amitié, de votre courage, de votre détermination. Et je pourrais employer de nombreux autres substantifs. Excellence, il y a un homme que je respecte beaucoup. Et ce n'est pas quelqu'un qui représente le secrétariat du Bureau international. C'est notre auditeur de l'audit fédéral suisse, M. Didier Monod. Il est assis dans la salle. Monsieur Didier Monod représente un office fédéral qui se charge de l'audit externe de cette union. Au cours des 9 dernières années, nous avons mené 112 audits externes et internes. L'Office fédéral est chargé de vérifier le travail que nous avons accompli. Et ils nous ont guidés grâce à leurs conseils. Ils nous ont dit lorsque nous nous trompions, ils nous ont corrigés et soutenus lorsque nous avons fait un bon travail. Lorsque nous sommes entrés en fonction, nous avons hérité de milliers de questions liées à des audits et nous avons réussi à les régler. La nature d'un audit, c'est bien sûr de clore sans question, mais d'en ouvrir de nouvelles. Mais ce qui m'a touchée dans le cadre de ces exercices, de ces 112 audits, c'est que nous n'avons eu aucune qualification concernant des éléments majeurs. Et au cours de la dernière session, M. Monod était présent dans la salle. Il a présenté ses avis et observations finales, très professionnelles. Et il avait d'excellentes choses à dire concernant la performance de l'Union et notre mandat.
avec le VDG, il a eu des mots très chaleureux à mon égard et à l'égard de Pascal. Monsieur Monod, je n'étais pas dans la salle ce jour-là, mais je souhaite vous remercier de l'excellent appui que vous nous avez apporté et de votre évaluation objective de cette organisation. Je vous en serai toujours reconnaissant. Nous avons pu répondre aux attentes des pays membres. La confiance et le respect qu'ils nous ont donné ont pu faire l'objet de réalisations de notre part. Merci, Monsieur Monod. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Excellence, je souhaite remercier ma famille. Ma femme est assise dans la salle, Asha. Nous nous sommes rencontrés en 1984, peu après la fin de mes études à l'Université de Nairobi, quand j'ai commencé ma carrière dans le service postal. Elle m'a accompagnée tout au long de ma carrière, des niveaux les plus bas de la direction de la poste kenyane jusqu'à aujourd'hui, sur les versants des Alpes, au sommet de ma carrière. Elle est ici, dans cette ville, dans ce pays. Elle ne connaît personne dans cette ville. Elle n'a pas d'amis dans cette ville, mais elle est ici et elle a supporté également toutes les pressions que je supportais. Quand j'étais au plus bas, elle m'a toujours donné le courage et le soutien dont j'avais besoin. Elle m'a dit que je n'étais pas quelqu'un qui abandonne et que je vais donc résister. Elle m'a apporté ce soutien que je ne peux quantifier et que je ne pourrais lui restituer. À mon épouse et aux membres de ma famille, je souhaite transmettre mes remerciements. Excellence, je me souviendrai toujours de feu mes parents, mon père et ma mère, deux personnes merveilleuses. Chaque fois que je parle d'eux, les larmes apparaissent dans mes yeux. Ils m'ont appris les bonnes manières, ils m'ont élevée. Et bien sûr, ils m'ont formé pour que je sois honnête, droit, et ils ont fait de moi l'homme que je suis. Ils ne sont pas ici aujourd'hui avec moi, mais ils sont toujours dans mes prières, dans mes pensées. Et j'aimerais qu'ils soient assis dans cette salle aujourd'hui. Ils seraient très fiers de moi. Mais puisqu'ils ne sont pas présents, ils seront toujours dans mon cœur et je me souviendrai toujours d'eux. Je viens d'un des lieux les plus reculés de cette planète, un village du nord du Kenya où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas ces choses que l'on considère comme acquises ici. Ils ont veillé à ce que j'obtienne l'éducation nécessaire, pas dans les manuels scolaires, mais les choses dont j'avais besoin pour que dans la vie, je sois la personne que je suis. Ils m'ont dit qu'il fallait toujours dire la vérité et ils m'ont dit de ne jamais accepter des situations qui altéreraient mon jugement. Ils m'ont dit de respecter les autres. Mais ils m'ont également enseigné à me faire respecter. J'espère avoir répondu à leurs attentes. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Et si j'ai failli, d'une manière ou d'une autre, je demande le pardon de mes amis. Quoi que j'ai fait ici au cours de ces 9 ans, lors de périodes difficiles, car nous avons vécu des périodes difficiles, j'ai poussé les pays membres très durement parfois. Mais
tout cela était professionnel et a toujours été appuyé par les conseils juridiques et professionnels des personnes qui sont présentes ici. Le changement n'est jamais aisé. Il présente des défis. Mais encore une fois, nous n'avions qu'un seul objectif commun, le meilleur intérêt de cette union. J'espère que vous tous considérerez nos lacunes, s'il y en a eu, dans ce contexte. Et cela n'avait rien de personnel de ma part. Alors que je quitte mes fonctions aujourd'hui, j'aimerais pardonner à tout le monde et je demande le pardon de vous tous pour toute chose que nous aurions pu faire ou dire au cours de nos fonctions qui vous auraient heurté. Avec ces remarques, Excellences, Mesdames et Messieurs, cela a été un honneur de diriger cette union et maintenant que je me retire, je souhaite souhaiter à mes collègues, M. Metoki et M. Oswald, tout le meilleur dans le respect des idéaux de cette union pour la conserver et pour maintenir le souffle de cette organisation. En période de guerre, en période de paix, en cas de raz de marée, de séisme, de tornade, d'incendie, de pandémie, l'Union postale universelle est en première ligne pour répondre sur le terrain. Et c'est le privilège que nous avons à toutes les femmes et tous les hommes qui risquent leur vie pour l'humanité, les personnes qui travaillent pour le service postal. Je les salue et j'espère vous revoir tous à l'avenir en d'autres capacités. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Hussein. Monsieur le directeur général Metoki, je vous demande de bien vouloir prendre place à côté de Monsieur Hussein sur l'estrade devant les drapeaux afin de recevoir la clé. Je vous demande de tenir la clé et de bien vouloir regarder droit vers l'appareil photo et de tenir peut-être tous les deux la clé. Avant de le faire, j'aimerais dire quelques mots. Excellence, il s'agit d'une clé symbolique qui représente le pouvoir et l'autorité sur ce bâtiment. Cette clé m'a été remise par mon prédécesseur. C'est une longue tradition que de la transmettre aux dirigeants suivants. Aujourd'hui, c'est un privilège et un honneur de transmettre cet instrument de pouvoir à mon collègue et ami, M. Metoki. Thank you. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you. So. Monsieur l'ambassadeur Bichar Hussein, Monsieur Pascal Cliva, Monsieur Isaac Nyamba Yao, président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Paul Forceville, président du conseil d'exploitation postale, Monsieur Marianne Oswald, Monsieur le vice-directeur général de l'UPU, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je suis fière de recevoir cette clé et de devenir le 17e directeur général de l'Union postale universelle. La clé que je tiens entre mes mains est un symbole
de l'histoire riche de cette organisation et de sa longue capacité au cours de 150 ans d'histoire à s'adapter et à prospérer. C'est également un honneur pour moi de recevoir cette clé de la part de l'ambassadeur Hussein qui, au cours des 9 dernières années, a dirigé cette organisation avec la plus grande distinction. Je transmets toute ma gratitude à M. Kliva. Ensemble, vous avez travaillé sans relâche au nom de cette organisation et ce faisant, vous avez fait preuve de vision, de leadership et d'engagement. Au nom de toutes les personnes présentes aujourd'hui, je vous remercie tous les deux de vos réalisations remarquables. Je souhaite également remercier les ambassadeurs ou les représentants permanents des pays membres présents aujourd'hui. Je vous remercie de la confiance que vous avez placée en moi. Je n'oublierai jamais le devoir que j'ai envers vous tous. Permettez-moi également de remercier le gouvernement de la Confédération helvétique, le pays hôte de l'UPU, les autorités locales et le maire de Berne pour leur soutien, leur assistance quotidienne à l'encontre de l'UPU. Au cours de mon mandat, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour consolider les liens qui nous unissent. Par ailleurs, je souhaite remercier le gouvernement du Japon de la foi qu'il place en moi et de son soutien. Excellence, mesdames et messieurs, je vais prêter serment devant vous et devant l'ensemble de la communauté de l'UPU qui suit cette cérémonie sur UPU TV. Je le fais avec la plus grande fierté et en prenant un engagement public significatif avec les fonctions, les responsabilités qu'implique ce poste. Je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l'Union postale universelle, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Union en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs. Je fais aussi la déclaration et la promesse solennelle de respecter les obligations qui m'incombent en vertu du statut et du règlement du personnel. Maintenant que j'ai prêté serment, je souhaite réaffirmer mon engagement à faire usage de la fonction de directeur général pour superviser la mise en œuvre réussie de la stratégie postale d'Abidjan 2022-2025. La stratégie est le fruit d'un processus de consultation élargi de notre souhait commun de créer une feuille de route pour l'organisation jusqu'en 2025. Elle élabore la vision d'une poste comme un moteur essentiel du développement durable et invite les gouvernements à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire les écarts dans le développement postal à travers le monde.
En plus de la nécessité d'harmoniser les cadres réglementaires postaux, ces objectifs constituent l'élément central de notre travail au cours du cycle futur. En tant que directeur général, je m'engage à travailler en toute sincérité avec les pays membres afin de faire de cette stratégie une réussite. Je travaillerai également en étroite collaboration avec mon vice-directeur général, Marianne Oswald. Il prend ses fonctions doté d'une très riche expérience dans le secteur postal. Nous bénéficierons également du soutien des directeurs de l'UPU, du personnel de l'UPU, qui sont les hommes et les femmes de notre organisation. Nous travaillerons également en partenariat avec les présidents de nos organes, conseil d'administration, avec son président, M. Isaac Nyambayao, et avec le président du conseil d'exploitation postale, M. Jean-Paul Forceville. J'établirai également des relations de travail étroites avec les commissions, y compris le comité consultatif, et les équipes spéciales qui joueront tous un rôle crucial dans la réalisation de la stratégie d'Abidjan. Plus que jamais, les unions restreintes font partie intégrante de la communauté de l'UPU et je continuerai à travailler en étroite collaboration avec leurs dirigeants afin d'établir des partenariats et de poursuivre la coopération. Sans l'appui, sans le soutien des unions restreintes et du travail entrepris dans les régions, nous n'avons aucun espoir de réaliser la stratégie d'Abidjan. Je travaillerai également avec nos nombreux partenaires internationaux, y compris les programmes et organisations des Nations Unies. Il est essentiel que le monde réalise le programme de développement durable à l'horizon 2030 et je pense que l'UPU et le secteur postal international ont des rôles significatifs à jouer dans sa réalisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que symbolique, cette clé revêt une grande signification. Si nous travaillons de manière effective et efficace, nous pourrons collectivement assurer la réussite de l'ensemble du secteur postal. C'est pourquoi j'ai accepté cette fonction. Et c'est pourquoi, avec vous, je pense que nous pouvons faire fond sur la réussite de nos prédécesseurs afin de créer un avenir brillant pour l'UPU et le secteur postal. Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude aux participants à cette cérémonie, malgré une situation difficile liée à la COVID-19. Je m'excuse également de l'annulation de la réception d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Thank you. Merci, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Metoki, et félicitations à vous et au Vice-Directeur Général, Monsieur Oswald. Nous remercions également Monsieur Hussein et Monsieur Kliva. Avant de clore cette cérémonie, nous avons un interlude spécial. Des musiciens vont nous jouer
un certain nombre vont nous présenter un certain nombre de pièces de musique. Thank you.
I'd like to invite everybody on the... Je voudrais inviter tous ceux qui sont à la tribune de vouloir sortir pour qu'on puisse prendre une photo. Je demanderai également au président du CEP de s'y joindre ainsi qu'au directeur de l'Union Postale Universelle. Je vous remercie, vous êtes attendus dehors pour la photo. Yes. Thank you very much. Thank you. I'd just like to say, just before I... Avant de terminer, et à titre personnel, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir. La météo n'était pas très bonne aujourd'hui. Quand je me suis levé ce matin, il neigeait. Et je voulais dire aussi que je suis très heureux d'être devant un micro avec un public devant moi. Ça fait 2 ans, je crois. Donc, merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez été un public formidable. Et je vous souhaite un très bon retour chez vous. Merci beaucoup.